Pierre Billard vous présente l'anthologie du mystère. Bonsoir, mon chat. Allez vite vous changer, vous devez être trempé par cette pluie. Oh, il y avait une lettre pour vous au courrier de l'après-midi. Je l'ai mise sur la table de votre chambre. Ah, une lettre de Philippe? Non, pas de votre fiancé. Ce n'est pas l'écriture de M. Galtier. Oh. Je me change et je redescends vous aider pour le dîner. C'est ça. Chère mademoiselle Berle, permettez à un vieillard de vous donner un sage avis, dicté par la seule sympathie. Avant de devenir la seconde madame Philippe Galtier, essayez de savoir comment est morte la première, la belle Mercedes. Si par hasard vous veniez à découvrir qu'elle a été assassinée... Oh! Michel, mon petit, je vous ai demandé le sel. Oh, pardon. C'est l'absence de lettre de votre fiancé qui vous met dans la lune? Oh, non. Si j'avais pu me douter en vous demandant votre concours pour notre société de bienfaisance Caritas, de tout ce qui allait s'en suivre, que 2 mois plus tard, vous en seriez la secrétaire, et 3 mois après, la fiancée de notre président Philippe Galtier. Je en veux, vous savez, de vous enlever à moi. Oh, mademoiselle Aline. Si, si. C'est bien simple. Quand vous serez mariée, je ne prendrai plus de locataire. Oh. Je me suis trop attachée à vous. Et je ne pourrai plus supporter quelqu'un d'autre. Ah, à propos de Caritas, il faudra que j'aille porter demain à la mère Salviandi aux échelles une paire de chaussures que je lui ai promise. Vous n'auriez pas un bout de papier pour l'envelopper? Mais, regardez dans le placard de l'entrée, mon petit. Bon, bon, j'y vais. Oh, zut! Mais qu'est-ce qui se passe? En ouvrant le placard, toute une pile de journaux s'est écoulée. Oh, oui. Oh, c'était rien. Mon frère François entasse dans ce placard, jour après jour, tous les numéros du Républicain de Chazelle. Il va y avoir des années et des années. Je vais les remettre dans l'ordre. Oh, c'est pas la peine. François ne les regarde jamais. Ils étaient soigneusement rangés. Ah, c'était pas une manie chez mon frère. C'est simplement une qualité professionnelle. Ah, un homme désordonné ne saurait être préparateur en pharmacie. Oh. Quoi encore? Regardez ce journal. Un numéro d'il y a 2 ans avec ce gros titre. Un accident tragique en deuil et notre cité. Madame Philippe Galtier fait une chute mortelle. Cette photo... Ah, c'est celle de Mercedes. Enfin, de la première femme de Monsieur Galtier. Elle était belle. Si on veut, dans son genre. Je préfère le vôtre, ma petite Michel. Et je ne suis pas la seule.
Tenez, Madame Vautrenal, qui est une vieille amie de la mère de votre fiancé, elle a vu naître Philippe, elle le tutoie. Eh bien, Madame Vautrenal elle-même est de mon avis. Et vous savez, Madame Galtier, mère, n'avait pas consenti à ce mariage avec cette Mercedes. Et comme son fils n'a pas voulu entendre raison, c'est elle qui a cédé la place. Elle est partie habiter sa maison de Bordeaux. Elle n'est jamais revenue à Chazeuil, même après la mort de sa bru. Oui. Philippe n'a jamais fait la moindre allusion devant moi à son premier mariage. Ni aux circonstances de la mort de sa femme. Je sais que c'est un accident, c'est tout. Un accident, oui. Pourrais-je prendre les journaux qui en parlent pour les lire ? Ce matin à 8h, Mademoiselle Clotilde Châtelaine, qui est depuis 20 ans au service de la famille Galtier. Clotilde, le vieux dragon femelle, comme l'appelle Philippe. Mademoiselle Clotilde Châtelaine se présentait chez le concierge de la Hortille, la magnifique propriété de la famille Galtier aux portes de notre ville. Elle débarquait du train qui la ramenait d'Auriac, où elle avait passé 2 jours auprès de sa mère malade. La fille du concierge, Mademoiselle Francine Bernat, qui est la femme de chambre de Madame Galtier. Tiens, la fille du père Hibernat était femme de chambre à la Hortille il y a 2 ans. Oh, je l'ignorais. Mademoiselle Francine Hibernat, femme de chambre de Madame Galtier, se joignit à Mademoiselle Châtelaine et les deux femmes se dirigèrent vers la maison des maîtres, dont elles avaient la clé. À leur grand étonnement, elles trouvèrent la porte ouverte et la maison vide. Monsieur Hibernat, prévenu, se joignit à elle et ils parcoururent ensemble les alentours de la maison. C'est Francine Hibernat qui aperçut la première sur le sol une mule d'intérieur de sa maîtresse. Quant à cette dernière, elle gisait tout près de là dans le lit actuellement à sec du ruisseau qui traverse le parc de la Hortille. La malheureuse avait succombé à une fracture du crâne consécutive à sa chute. Ignorant la fragilité de la passerelle, dont le bois était pourri, et trompée par l'obscurité, l'infortunée se sera trop fortement appuyée au garde-fou, à la suite peut-être d'un faux pas que prouverait la mule perdue. Monsieur Galtier se trouvait à Bordeaux chez sa mère au moment de l'accident. Oh. Pauvre Philippe. Demain dimanche, j'irai voir Madame Vautrenal. Que c'est gentil à vous de me faire visite, Mademoiselle Berle. Le dimanche, en fin d'après-midi, entre les vêpres et le moment où mon frère rentre de son cercle, je suis toute seule. Je m'ennuie toujours un peu. Et cette visite, qu'est-ce donc qui me la vaut ? Oh, vous allez me trouver bien sotte, madame. Mais vous êtes la seule à qui je puisse parler sans embarras. Voilà, le hasard m'a mis sous les yeux hier un vieux journal qui relatait l'accident dont a été victime la femme de Philippe. Il y avait une photo d'elle. Je l'ai trouvée si belle, si gracieuse en comparaison de moi. Que vous craignez de n'être pas à la hauteur de la situation, de décevoir Philippe. Oui. Rassurez-vous. Vous ne ressemblez pas à Mercedes. Et entre nous, cela vaut mieux. Mais vous l'avalez bien, croyez-moi. Mais il y a les manières, l'aisance, l'habitude d'une certaine vie. Une vie qui n'a été jusqu'à présent la mienne, ni dans ma famille, ni derrière mon guichet de poste. Je vais vous étonner, ma petite fille. La famille de Mercedes est toujours ici, à Chazelle. Et savez-vous où elle habite ? Non. Aux échelles. Oh. Aux échelles ? Dans ce quartier si pauvre, si sale. Vous vous occupez de la famille Salviandi, n'est-ce pas ? Oui. Eh bien, la mère et le frère de Mercedes sont leurs voisins. Oh. Mais que font-ils là ? Ils sont tombés dans la misère ? Ils y sont restés. Seule Mercedes en était sortie. Mais oui, je vois que vous ne connaissez pas leur histoire. Les Falcandelles sont de ces Espagnols qui se sont installés par ici après la guerre civile. Mercedes et son frère Manuel étaient tout enfants.
Le père s'est fait écraser par un camion un soir qu'il était ivre. La mère travaillait à la fabrique de chaussures Galtier. Elle collait des étiquettes sur les boîtes. Elle souffrait du cœur. Mercedes l'a remplacée à l'usine dès qu'elle a été en âge de travailler. Elle avait 20 ans quand Philippe a pris la direction à la mort de son père. Il l'a vue, il a voulu l'épouser. Elle était très belle. Ah. On l'appelait la beauté aux échelles. Je dois dire qu'après leur mariage, cette Mercedes m'a étonnée. Elle n'avait pas d'instruction, mais elle était intelligente. Elle s'est éduquée, formée au contact de Philippe et par des lectures. Quand l'accident s'est produit, j'ai été sincèrement bouleversée. Mais vous parliez tout à l'heure de son frère. Manuel Falcandel. Oui. C'est un mauvais sujet, paresseux et coureur. Il a disparu de Chazelle avec sa mère peu après l'accident. Ils ne sont revenus aux échelles qu'assez récemment. Manuel travaille maintenant chez Alcalabar. Vous savez, le ferrailleur. Ah, oui. Ça lui permet de gagner ce qu'il faut à sa mère pour soigner son cœur malade. Au vin blanc. Dangereux de se pencher comme ça. Heureusement que le garde-fou a été réparé. C'est là que... Oui, je sais, monsieur. J'étais venu voir si on n'avait pas adressé à monsieur Galtier une lettre importante que nous attendons pour Caritas. Ah, ben justement, j'allais porter le courrier dans le bureau de monsieur Philippe. Maintenant, si vous voulez y jeter un coup d'œil... Oui, merci. Ben, j'en profiterai pour donner un coup d'œil à mes collègues. Bon, ben, il n'y a rien pour Caritas. Merci, monsieur Hibernat. J'ai trouvé des journaux qui parlaient de l'accident qui est arrivé à Madame Galtier. J'ai voulu voir l'endroit. Ah oui, je comprends. Ah ben, c'est juste ici. Le malheur, c'est qu'il n'y avait pas d'eau dans le ruisseau comme à présent. Maintenant, vous voyez, il y en a un bon mètre. Ouais. Ça l'aurait sauvé, ça. Tandis que sa tête a donné sur un caillou. Elle est morte sur le coup. Mais elle ne savait pas que la passerelle était pourrie. Ben, je l'avais dit à M. Philippe, même qui m'avait commandé de faire venir le charpentier. Mais il avait peut-être pas pensé à prévenir madame. Oh, c'est vrai que la passerelle, elle ne sert guère qu'à gagner le petit kiosque et qu'elle y allait pour ainsi dire jamais. Mais ben, le malheur, c'est aussi que ce jour-là, le fiancé de ma fille était chez nous. Et il faisait son service et il était en permission. Alors on a joué aux cartes et le temps a passé, quoi. Si bien que j'ai pas fait ma tournée comme les autres soirs en fumant ma pipe. Ben, si je l'avais faite, j'aurais peut-être vu madame. Et je l'aurais prévenue pour la passerelle. Ouais. Bon, eh bien, si vous voulez, monsieur Hibernat, je peux porter le courrier à la maison. Oh, c'est pas aimable à vous, mademoiselle. Merci. Clotilde, ce soufflet était une merveille. Voulez-vous être gentil? Apportez donc le petit paquet que j'ai laissé sur la console du vestibule. C'est quelque chose pour mademoiselle Berle. Tout de suite, monsieur Philippe. Qu'est-ce que c'est que ce paquet? Un cadeau pour votre fête, Michel. Ce n'est pas ma fête. Le mois de septembre est loin. Disons que je suis un peu en avance. Voilà, monsieur Philippe. Tenez, Michel. J'attends la Saint-Michel ou bien j'ouvre le paquet tout de suite? À la Saint-Michel, vous serez Madame Galtier. C'est à Mademoiselle Berle que je fais ce cadeau. Bon alors, j'ouvre. Oh, c'est ravissant, Philippe. Oh, merci. Dites-moi, ma chérie. Oui. Tout au long de ce dîner, je vous ai trouvée, comment dirais-je, soucieuse, préoccupée. Se serait-il passé quelque chose en mon absence? Mais qu'avez-vous? Rien, Philippe, je n'ai rien.
Je suis peut-être un peu lasse, c'est tout. Ah, c'est peut-être aussi que je pensais à cette visite que je dois faire demain aux échelles. Michel. Ce soir, faites-moi la charité de ne plus penser à Caritas. Excusez-moi, vous êtes bien Manuel Falcandel, le frère de Mercedes? C'est moi. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Alors, comme ça, vous connaissiez la beauté? Et vous êtes venu bavarder avec son petit frère? Vous étiez une de ses amies du grand monde? Non, je n'ai jamais connu votre sœur, monsieur Falcandel. Je ne suis à Chazeille que depuis un an. Je m'appelle Michel Berle. Mademoiselle Berle? Ah oui, je suis. On ne connaît que vous aux échelles. Vous faites une de vos tournées de charité, je parie. Je suis fiancée à monsieur Philippe Galtier. Félicitations. Ah, je comprends. Vous êtes venu voir quel genre de famille il faut avoir pour lui plaire. Bonne idée. Malheureusement, vous aurez du mal à trouver un frangin comme moi. Quant à la vieille, vous l'avez vue, non? Bon, eh bien, dépêchez-vous, car elle n'en a plus pour longtemps à siffler du blanc. Ah, moi, comme mon cher beau-frère. Mais monsieur Galtier ne doit même pas savoir que votre mère et vous êtes revenus à Chazeille. Hein? Après tout, on s'entendait pas si mal tous les deux, Philippe et moi. Enfin, au début, tout au moins. Il me faisait bonne figure, il parlait même de me caser dans sa boîte. Moi, je disais, ni oui ni non, je voulais voir d'où venait le vent. Mais ça ne plaisait pas à Mercedes. Maintenant qu'elle avait fait le chic mariage, la beauté, je n'étais plus un frère assez reluisant pour elle. Alors un jour, elle a raconté je ne sais quoi à son mari, et Philippe m'a dit que c'était plus la peine de venir à la Hortie. Et après cette rupture, vous n'avez plus revu votre sœur. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire, mademoiselle Berle? Enfin, puisqu'on en cause, oui. Je suis revenu en cachette à la Hortie, deux fois. La première fois, c'est Francine, sa femme de chambre, qui a oublié de fermer une porte. Francine Hiberna? Oui, ça vous étonne? La Francine ne pouvait pas me refuser ce petit service, après m'avoir accordé autre chose. Et j'aurais pu dire deux mots à son fiancé, pour un bouseux qui faisait son service militaire à Toulouse à l'époque. Elle l'a épousé depuis, un nommé Fernand Malvy. Ce jour-là, la beauté m'a mis sous le nez la revolver de son mari. Elle m'a dit qu'elle allait tirer comme si elle m'avait pris dans le noir pour un voleur. Elle était bien capable de le faire, ma chère sœur. Je filais. L'autre fois, c'était en plein jour. Je l'ai coincé dans le petit kiosque, son salon de lecture. Je lui ai dit que si elle m'a donné de l'argent, elle serait débarrassée de nous, la vieille et moi. Elle n'avait pas de liquide, elle m'a promis 30 000 francs pour le surlendemain. Elle m'a envoyé seulement 20 000, trois jours plus tard, par Francine. Alors, la semaine d'après, je suis parti avec la vieille à Montauban. J'avais là-bas un ami qui m'a pris dans son garage. Et vous n'êtes jamais revenu à Chazeille? Ah, si. Je suis revenu voir des amis, de temps à autre. J'allais bien faire un tour du côté de la Hortie pour admirer le château de la beauté. Mais je n'y suis jamais entré. Et puis un jour, j'ai su que Mercedes était morte. Morte et enterrée. Après sa mort, vous vous êtes réinstallé aux échelles. La vieille m'avait dit qu'elle aimerait assez mourir ici. C'est pas un plaisir à lui refuser. Voilà. Vous vouliez des détails, vous êtes contente, j'espère. Maintenant, je vais vous donner un conseil par-dessus le marché. Mademoiselle, la future seconde femme de mon ex-beau-frère. Méfiez-vous du petit kiosque dans le parc à la Hortie. C'est mauvais, ce coin-là. Pourquoi dites-vous ça? Parce que c'est là que la beauté y est passée. Si vous étiez aussi superstitieuse qu'elle, vous penseriez qu'il y a des endroits qui portent malheur. Est-ce que votre sœur était peureuse? Heureuse, Mercedes? Oh, comme un enfant de 2 ans, surtout la nuit. Quand son Philippe n'était pas là, elle bouclait tout à 5 heures. Alors est-ce que vous croyez qu'elle se serait hasardée seule dans le parc, à 11 heures du soir, même pour aller chercher un bijou auquel elle tenait? C'était dans ça. Chapeau, mademoiselle, vous feriez un fameux flic. Alors comme ça, on a des soupçons sur la mort de la beauté. Hein? On se dit qu'après tout, un petit copain aurait bien pu l'aider à tomber de la passerelle. Parfait. Et qui a fait le coup? Cette question. Le frangin, le voyou parbleu!
Il est capable de tout, vous savez, Emmanuel. Vous avez bien raison de vous méfier de lui. Alors, allez trouver la police, dites-leur ce que vous savez ou ce que vous croyez savoir, mais moi, je les attendrai bien sagement. Non, mais je vous posais une question qui me passait par la tête, c'est tout. J'ai aucune raison d'aller trouver la police. Ce que vous avez, c'est la trouille. Ce qui est arrivé à la beauté, vous ne serez jamais sûr que ça ne peut pas vous arriver à vous, tant que vous ne saurez pas qui l'a fait et pourquoi. Écoutez-moi bien. Si un jour, quand même, l'envie vous prenait d'aller trouver la police, faites attention à ce que vous direz. Parce que moi, je ne veux pas d'ennuis avec les flics. Pensez-y. Sans quoi, je pourrais raconter au Philippe des choses qui ne lui plairaient pas. C'est tout. Au revoir, mademoiselle. Et merci pour votre bonne visite. Et mes amitiés à votre fiancé. Madame Malvy, Francine Bernard, de votre nom de jeune fille. Chez moi, qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi de vous arrêter ainsi à la sortie de la messe, mais j'ai un renseignement à vous demander. Un renseignement? J'ai pas le temps de donner des renseignements, moi. De quoi il s'agit? Eh bien, voilà, je fais partie de l'association Caritas. Nous désirons nous informer au sujet d'un certain Manuel Falcandel, qu'on nous a signalé comme un garçon intéressant, en vue d'une place. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne le connais pas, moi. Oh, mais si. Mais si, mais si, vous le connaissez, même très bien. Je le sais de bonne source. Venez, faites donc quelques pas avec moi, que nous causions tranquillement, en amis. Si vous y tenez. Voilà. Mais vous savez, je n'ai rien à dire. Alors, je vais vous aider. Voyons, de quoi est-ce que Manuel vivait quand vous étiez à la Hortille? Il ne travaillait pas? Sa sœur lui donnait de l'argent au début. Et vous, ensuite? Non. Enfin, un tout petit peu. Je suis pas riche, moi. Mais il y en avait d'autres. Ouais. Il venait souvent à la Hortille? Oh, ça dépendait des semaines. Deux ou trois fois, d'autres pas du tout. Même après être parti avec sa mère à Montauban? Oui. Je serais bien partie avec lui à Montauban, mais il voulait pas. Il disait que le mieux pour moi, ce serait de me marier avec Fernand Malvy quand il reviendrait du régiment. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Quand Manuel est-il venu à la Hortille pour la dernière fois? Le soir de l'accident. Oh, et puis, laissez-moi, qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Ça peut me faire qu'il me suffit de dire un mot à Manuel. Pour qu'il aille trouver votre belle famille et lui raconte certaines choses. Alors, vous allez me répondre. Manuel était avec vous le soir de la mort de Mercedes. À quelle heure? Il m'attendait dans la grande allée un peu après 9h. Il voulait absolument voir sa sœur, Madame Mercedes, quoi. Oui. Je n'ai pas voulu lui donner la clé de la maison. Il a fini par renoncer à son idée, enfin. Je crois qu'il est parti. Et qu'avez-vous fait après l'avoir quitté? Je suis rentrée chez mes parents. Fernand était là, mon fiancé. En permission, on a joué aux cartes, puis j'ai couché maman avec Fernand. Elle est paralysée, ma mère, vous savez. Mais votre père n'était pas là pour la coucher? Non, il était allé fumer sa pipe dans le parc, comme tous les soirs. Vous en êtes bien sûr? Au fait, non. Je crois qu'il était simplement sorti de la pièce au moment où nous avons couché maman. Oui. En sorte que personne n'a pu savoir ce qui arrivait à Madame Galtier dans le parc vers ce moment-là. Personne. Vous avez dû la regretter. C'était une gentille patronne pour vous. Gentille? Un peu toquée, oui, avec toutes les histoires qu'elle me racontait. Comme quoi elle était la fille naturelle d'un grand d'Espagne, tenez. Vous vous rendez compte, la beauté des échelles. Et puis... il y avait son bon ami. Qu'est-ce que vous dites? Eh ben oui, quoi, son bon ami. Vous voulez un dessin? Il était souvent absent, Philippe, alors. Ah, vous ne le saviez pas? Eh ben, vous voyez, je vous aurais au moins appris une chose. Un vieux chauve avec un grand nez et une petite moustache. Mais un vrai noble, lui, s'il vous plaît. Un comte. Comment étiez-vous au courant? C'est moi qui faisais leur petite commission. Elle me donnait de l'argent pour ça, mais elle me disait qu'elle me tuerait si je parlais. Et je suis sûre qu'elle l'aurait fait. Mais elle voyait cet ami où et quand? Monsieur le comte venait quelquefois à la Hortille, sans se cacher, en visiteur. Monsieur Philippe le connaissait bien, figurez-vous.
Ah, quand elle sortait, là, ça, je ne sais pas où elle allait. Oh, et puis je vous en ai assez dit, et même trop. Mercedes est morte, bien sûr, mais l'autre n'y est pas. Alors, bonsoir. Faut pas vous frapper comme ça parce que M. Philippe vous a envoyé ce télégramme, Mademoiselle Michel. Enfin, qu'est-ce qu'il vous disait dedans? Eh bien, Mme Galtier doit aller consulter un spécialiste demain. Son fils l'accompagne, naturellement. Non, mais c'est pas la première fois qu'elle y va. Si vous restez là un moment, mademoiselle, j'irais bien faire un brin de causette avec la mère Iberna. Son mari est à la chasse et elle est toute seule, la pauvre femme. Oui, 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 allez-y, bien sûr. Philippe m'a demandé de chercher des papiers que je dois porter à sa secrétaire. J'en aurai sûrement pour quelque temps. Bah, alors, à tout à l'heure, mademoiselle. Voilà le veston gris de Philippe. Là, et dedans, son carnet. C'est ça. Voilà. Cette porte, c'est celle de la chambre de Mercedes. Clotilde m'a dit qu'on y avait rassemblé toutes ses affaires. Et qu'on n'y fait même pas le ménage depuis. Oh. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, cette chambre. Avec ces madones espagnoles dans des cadres en forme de niche. Ces cierges à demi brûlés. Accumulation de vibrance. Ses robes étalées sur le lit. C'est là qu'elle s'est couchée une dernière fois avant de se relever pour aller au-devant de sa mort, dans le parc. Oh. Oh. Qu'est-ce qui m'a fait trébucher? Oh. Il y a quelque chose sous la moquette. Il y a une clé. Une petite clé. Celle de cette commode, peut-être. Oh, je ne devrais pas. Une grammaire, un dictionnaire, des exercices de français, le nouveau savoir-vivre, des cartes, des tarots, un manuel d'astrologie. Facture. Tiens, est-ce pas qu'elle, hein? Les enveloppes ne sont pas timbrées. Oh. Oh. Ma princesse bien-aimée. Oui, j'ai été très malheureux de ne pas vous trouver mardi et de plus horriblement jaloux. J'ai bien l'âge de l'être, n'est-ce pas? Je me reproche souvent d'être un vieil imbécile. Mais je n'y puis rien. Je viendrai demain à l'ordi. Je vous baise les mains. Oh. C'est pas daté et la signature est une simple initiale. H. Ah, tiens, une photo d'homme. Ce doit être le mystérieux H, le bon ami de Mercedes, comme dit Francine. Oh oui, la soixantaine, chauve, un long nez, une petite moustache grise. Un air qui me rappelle quelqu'un. Oh, qui est-ce? Ça, il faut que je trouve un moyen de le savoir. Ah, une idée. À la partie de Romani d'Alice Filotto, ce soir, toutes ces dames de Caritas seront là. Oh,
Oh. François, tu veux m'aider à mettre un peu d'ordre dans le salon? Non, laissez, monsieur François, je vais... Mais non, mademoiselle Michel, il faut bien que je me rende utile. Laissez faire mon frère, mon petit chat. Vous ne m'avez pas paru tout à fait dans votre assiette ce soir. Pendant toute la partie de Romagne, vous étiez d'une distraction. Ah, tiens, on a laissé tomber une carte sous la table. Ah non, non, ce n'est pas une carte, c'est une photo. Oh, par exemple, regarde Alice, c'est une photo de monsieur de Jansac. Eh oui, c'est curieux. Est-ce qu'elle peut bien sortir, cette photo? Et qui est ce monsieur? Le comte Hervé de Jansac est le frère de madame Vautrenal. Oui, celle-ci a dérogé en se mariant. Mais qui donc peut bien avoir perdu cette photo ici? Ah, une de nos visiteuses, bien sûr, mais laquelle? La bonne amie de monsieur de Jansac. Non, du pas petit. Monsieur de Jansac est un homme très sérieux, il vit avec sa sœur. Je ne l'ai jamais rencontré chez madame Vautrenal. Oui, il est un peu ours. Il s'enferme quand elle a une visite, il ne sort jamais. Oui, il travaille à un livre sur les origines gallo-romaines de Chazel. C'est très intéressant. Oui. Moins que l'origine de cette photo. Oh, c'est très simple. Demain, je passerai chez madame Vautrenal et je la lui remettrai. Et elle saura bien me dire d'où elle vient. Ah, je ne vais pas attendre que vous mettre à table. Ah. Mademoiselle Berle repense au service à 2 heures et moi je... Non, vous avez bien fait. Tu sais, François, je me demande si après tout tu n'avais pas raison en parlant d'une bonne amie d'Hervé de Jansac. Oh. Je les ai trouvés à table tous les deux, sa sœur et lui. Ouais, ils prennent leur repas, leur ancienne, si bien qu'il n'a pas pu m'éviter. Si tu avais vu sa tête quand je lui ai montré la photo, il est devenu tout blanc. Il a fallu que je lui nomme toutes les personnes qui étaient ici hier, à la partie de Romagny. Mmh. Il voulait absolument qu'il y ait eu quelqu'un d'autre, ou plutôt quelqu'une. Ah. Et madame Vautrenal? Oh, elle cherchait à calmer son frère. Mmh. Sur rien, mon pauvre Hervé, tu auras perdu cette photographie par hasard, quelqu'un l'aura trouvée, c'est tout. Mais... au fond, je la voyais assez contrariée. Elle a eu tort de faire la discrète avec moi. Oh, à propos, Michel, la prochaine réunion de Caritas a lieu chez elle, chez madame Vautrenal, jeudi soir. Quel temps! Venez, mademoiselle Filotto, je vous ramène en voiture avec Michel. Oh non, je ne voudrais pas déranger vos amoureux. Si, monsieur, la pluie est glacée. Ah oui, allez, montez. Mais dans le fond, alors. Je laisse le siège de devant à Michel. Vous savez, Michel, j'ai proposé à ma mère de revenir à la Hortie. Elle hésite. Je ne vois qu'une chose qui pourrait la décider. Ou plutôt qu'une personne. Est-ce que vous voudriez venir avec moi dimanche prochain à Bordeaux pour faire la connaissance de maman? Bien sûr, Philippe. Qu'est-ce que vous avez, ma petite Michel? Vous frissonnez? J'ai du grand froid. Heureusement que madame Vautrenal a eu la bonne idée de servir des grogues. Vous n'êtes pas bien. Vous pouvez compter sur moi pour la soigner énergiquement, monsieur Galtier. Sur moi et sur mon frère, s'il en est besoin. Ah, après tout, François est pharmacien, ou presque. Comment ça va-t-il? Mieux qu'hier soir, hein? On se réveille. Oh mon Dieu. Mon Dieu, il est midi passé, j'ai juste le temps. Il n'est pas question que vous vous leviez. Vous allez passer la journée au lit, je vous apporterai une infusion. Oh, j'ai jamais beaucoup aimé les tisanes. C'est moins dangereux qu'un grog. Michel, je ne peux pas vous le cacher. Ces nausées que vous avez eues hier soir en rentrant de chez madame Vautrenal. Ça nous a paru bizarre à François et à moi. François a fait une analyse ce matin à la pharmacie. Oh, une analyse? Pour une simple indigestion provoquée par un grog? Je ne sais pas si c'était dans le grog, ma petite fille, mais l'analyse est formelle. Il y avait du poison dans ce que vous avez rendu. C'est impossible. Impossible ou non, c'est un fait. Enfin, vous en êtes débarrassé. Une bonne journée de repos, votre malaise sera passé. J'ai prévenu la poste que vous étiez souffrante, mais à l'avenir, il faudra être très prudente. Et il ne faudra pas parler de cela à Philippe. Oh, bien entendu, mon petit. Votre fiancé voudrait peut-être aller trouver la police et ça n'arrangerait pas les choses.
Maman, je suis heureux de vous présenter Michel. Oui, oui, oui. Laisse-nous, veux-tu, Philippe? Oui. Approchez que je vous vois. J'avais votre photo. Une photo cache plus de choses qu'elle n'en révèle. Mais il suffit de voir les gens pour les connaître. Maintenant, je vous connais. Bonjour, Michel. Voulez-vous m'embrasser? Oh, de grand cœur, madame. Le premier mariage de Philippe a été une erreur. Oui, croyez-moi lorsque je vous dis qu'avant vous, il n'y a vraiment eu personne dans sa vie. Oh, madame. Oui, nous ne parlerons plus de cela, n'est-ce pas? Philippe? Maman? Penses-tu que 15 jours suffiront à Clotilde pour préparer ma chambre à la Hortille? Oh. Vous pourriez venir me chercher pour pas. Bonjour, mademoiselle Berne. Mademoiselle Falcandel, comme voulez-vous. Causez. Je n'ai rien à vous dire. Non, c'est moi qui vais vous parler. À vous parler de quelqu'un que vous connaissez bien et qui était dans le secteur de la Hortie, le soir où la beauté est morte. Une bien brave personne. Un des charitables piliers de Caritas. Vous ne devinez pas, non? C'était chère mademoiselle Philotto. Vous mentez. Qu'aurait-elle fait là? Cette gourde de Francine Iberna lui avait fait des confidences à propos de l'amoureux d'Ecati de Mercedes. Elle est laissée pour compte. Ça s'intéresse toujours aux amours coupables d'autrui. La bonne Alice se mettait de temps à autre en embuscade pour surprendre le péché. Vous l'avez vue à la Hortie ce soir? Je pourrais vous répondre que oui. Mais ce n'est pas moi. C'est quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un m'a renseigné. Qui? Vous allez me dire qui? Cherchez et vous trouverez, chère mademoiselle Berle. Eh bien, mère, êtes-vous heureuse d'avoir retrouvé la Hortie? Très heureuse, Philippe. Mais je dois avouer que cette première journée m'a un peu fatiguée. Ah, je vais vous laisser, madame. Je vous raccompagne, Michel. Non, Philippe, non, restez auprès de votre maman. Mais il est 10 heures passées. Je m'en ai pas long, c'est pas la première fois que je le fais de nuit. Bonsoir, madame. Bonsoir, ma petite fille. Bonsoir, Philippe. Non, mais... Restez, je vous en prie. Je sauve. Qui est là? Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle Michel, qu'est-ce que vous faites là à terre? Vous êtes souffrante? C'est vous, monsieur François? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que vous avez? J'étais attaquée. Attaquée par qui? Je ne sais pas. Un homme, il a sauté dessus dès que je suis sortie du parc. Il ne vous a pas fait de mal? Non. Je me suis défendue, j'ai griffé au visage. Et puis, il est parti. Là, je vous dois une fière chandelle. Si vous n'étiez pas arrivé, je serais restée là. Il a cherché à m'étrangler, vous savez. Oh là là. Comment se fait-il que vous soyez là? Alice et moi, nous nous sommes inquiétés de ne pas vous voir rentrer à 9h30. Je suis venu à votre rencontre. Oh. Heureusement. Oui. Vous sentez-vous mieux? Oui, un peu, oui. Pouvez-vous marcher? Ou voulez-vous que nous demandions à M. Galtier de vous reconduire en auto? Oh non. Non, ça, faut rien dire, Philippe. Non, je me sens bien maintenant. Allez, rentrons. Attends-moi 25 francs, s'il vous plaît, mademoiselle. Ah. On m'a dit que vous êtes passé ce matin aux échelles, que vous vouliez me voir d'urgence. Qu'est-ce que vous avez à me dévisager comme ça? Je regarde si vous n'avez pas de coup de griffe sur la figure. Ça vous déçoit que je n'en ai pas? Et si j'en avais?
Vous aviez quelque chose à me dire? Oui. Simplement ceci. Si on apprend que j'ai été attaquée, et s'il m'arrive de l'être à nouveau, on pensera peut-être que vous y êtes pour quelque chose. Parce que vous avez été attaquée. Première nouvelle. Et vous m'avez tout de suite soupçonné. Bien aimable. Écoutez, je vais vous donner un bon tuyau. Au lieu de vous braquer sur moi, allez donc faire la causette avec cette vieille taupe de votre nalle. Elle sait plus de choses qu'à n'importe qui. Elle consentira peut-être à vous les dire, et vous à me ficher la paix. Ce sont des choses que je n'aime pas à remuer, mademoiselle Berle. Des secrets qui ne mettent pas en cause que moi. Sachez seulement qu'à un moment, ce manuel a cru pouvoir me faire chanter à propos de ces secrets-là. Manuel? Oui. Pour protéger quelqu'un qui m'est cher, j'ai dû composer avec ce triste personnage. Je comprends maintenant pourquoi il est revenu me trouver ces jours derniers, alors que je croyais être définitivement débarrassée de lui. Il craignait que vous le suspectiez d'avoir tué sa sœur, sachant qu'il était à l'ortie le soir de sa mort. Vous avez bien fait de vous confier à moi, mon enfant. L'agression d'hier ne se renouvellera pas. Je ferai ce qu'il faut pour ça. Faites-moi confiance. Et ne vous tracassez plus pour rien. Pour rien, vous m'entendez? Mercedes Galthié est morte de mort naturelle. Voilà la vérité. Méfiez-vous de tous ceux qui voudront insinuer le contraire. De tous, même des plus sympathiques, et très spécialement des vieilles filles bavardes. C'est vous, mademoiselle Michel. Entrez, entrez vite, venez. Ce pauvre monsieur Philippe. Qu'y a-t-il donc? Il est dans le petit salon. Venez, venez. Philippe! Mais non, un petit malaise. Philippe Michel doit savoir la vérité. On a essayé de l'étrangler. Comment ça? Non, je venais de rentrer ma voiture au garage. J'en étais à peine sorti qu'un homme m'a sauté dessus. Il était plus fort que moi, il me serrait le cou, j'ai pu le frapper au visage avec la grosse clé du garage. Il a lâché, j'ai appelé à l'aide, il a aussitôt détalé. Je me suis lancé derrière lui en courant. Il n'aurait pas dû. Et un coup de feu a claqué tout près de moi. J'ai eu peur, je l'avoue. Je me suis plaqué derrière un tronc. Mon bonhomme en a profité pour filer. Oh. C'est de ma faute. Me voyant, Hibernard. Mais en entendant M. Philippe crier, je suis sorti de chez moi avec mon fusil. J'ai couru dans la direction du bruit de la poursuite. La détente a dû se prendre dans une branche. Le coup est parti. Oh, quand je pense que j'aurais pu atteindre M. Philippe. Mon pauvre enfant, mon pauvre enfant. Allons, maman, non, calmez-vous, vous allez vous donner une crise. Vous savez ce qu'a dit le cardiologue. Oui, mais il ne s'agit pas de moi, mais de toi, mais... Philippe. Je ne vivrai plus si je sais que quelqu'un veut t'assassiner. Il faut prévenir la police. Je téléphonerai aux gendarmes demain matin. Ah, ça fait rien. C'est bête de l'avoir raté comme ça par ma faute, ce malfaisant. J'ai oublié une commission importante. Il faut absolument que je retourne chez mademoiselle Filotto. Michel, c'est de la folie. Vous voulez qu'on vous attaque, vous aussi? Vous allez passer la nuit ici. Je reviendrai, je vous le promets, mais il faut absolument que j'y aille tout de suite. Je vous en prie. Mais c'est donc si important que ça. Eh bien, Hiberna vous accompagnera avec son fusil. Oui, ainsi, oui. Vous ne craindrez rien. Et nous, ici, en vous attendant, nous ne serons pas inquiets à votre sujet. N'est-ce pas, Hiberna? Ben oui, c'est plus prudent. Madame a raison. C'est vous, ma petite Michel. Vous n'avez pas mis longtemps, c'est bien. J'aime pas vous savoir dehors la nuit. Où est votre frère? Je vous ai entendu, excusez-moi, je suis en robe de chambre. Ce n'est plus la peine de jouer la comédie, croyez-moi. Vous aurez à répondre de vos actes devant la justice. La justice? Vous n'allez pas faire ça, Michel. On ne peut pas, pour une simple lettre. Quelle lettre? Non. La lettre anonyme. Le vieillard qui me manifestait sa sympathie. C'était vous aussi. Oh, j'y avais pas pensé. Je vous remercie de me l'apprendre. Mais ce n'est rien à côté du reste.
Quel reste? Demandez à votre frère. Qu'est-ce que tu as fait, François? Moi? Rien. François n'est pas allé à ses réunions de ce soir. Il est allé à la Hortille. Et il a essayé d'étrangler Philippe. Moi? Mais ce n'est pas vrai, Alice. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Vous l'ignoriez, Alice. Oh. Alors chacun travaille de son côté. L'une écrit la lettre anonyme, l'autre attaque les gens et on se fait des cachotteries. Alice, c'est vous qui m'avez empoisonnée. Alice. Comment? Ce poison pour les souris et les cafards que je n'ai plus trouvé dans l'armoire en pharmacie? C'est moi qui l'ai pris, oui. Mais je n'ai pas empoisonné Michel. J'en ai mis après dans ce qu'elle avait vomi. Après, tu m'entends? Après. Avais-tu une indigestion banale? Mais enfin, pourquoi? Pourquoi avez-vous fait ça? Oui, pourquoi? 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 Parce que vous alliez partir. Parce que je ne voulais pas. Après votre départ, j'allais rester seule une fois de plus, toute seule. Tu ne comptes pas mon propre François, tu comprends bien ce que je veux dire. J'ai voulu l'inquiéter, elle et son Philippe qui me la prenait. J'ai mis ce poison dans la cuvette et je t'ai incité à faire l'analyse. C'est tout, je le jure. Oh. Mais alors lui, François, enfin, pourquoi a-t-il attaqué Philippe? Ce n'est pas moi. Non, ce n'est pas moi. Je vous avais suivi, oui. J'avais peur pour vous. Oh, peur qu'on vous attaque à nouveau comme l'autre soir. Non. Parce que... Quoi? Parce que... Oh, c'est... Parce que... Oh, mon pauvre François. Je vous croirais presque. Mais vous, Alice, enfin, la lettre anonyme, pourquoi l'avoir écrite? Vous étiez à la Hortille le soir de la mort de Mercedes. Ah oui, j'y étais. Ah, mais il n'y avait pas que moi. Ah non, votre Philippe qui était censé se trouver à Bordeaux. Allez donc lui demander ce qu'il faisait ce soir-là à 11h dans le parc. Non, non. Mon pauvre petit. Il faut me le dire, Philippe. Philippe, je dois savoir. Vous étiez ici à la Hortie quand votre femme a eu son accident. Oh. Il est... C'était donc vous. Michel. Vous pleurez? Mais que se passe-t-il? Rien, madame. Rien. Bonsoir, monsieur Bernard. Bonsoir, mademoiselle Verne. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Mais vous n'êtes pas seule. Ce n'est pas votre femme qui vient de sortir en marchant. Ah. Puisque vous l'avez entendu, autant vous le dire. C'est Fernand Malvy, mon gendre. Ah. Francine n'a pas pu s'empêcher de lui raconter que vous lui aviez posé des questions au sujet de l'accident de madame Mercedes. Je viens de tout apprendre. Oh ben, après tout, ça vaut mieux que vous sachiez. Pour vous expliquer, Fernand, il était là, lui aussi, le fameux soir. Et il a vu ce qui s'est passé. Il avait promis de se taire comme nous, mais... Il a eu peur que vous fassiez ressortir les choses avec vos questions, que nous soyons accusés, je sais pas moi, de complicité, lui avec. Alors il vous a attaqué. Ah, c'était dans lui. Je lui ai fait la leçon et il m'avait promis de se tenir tranquille. Mais il a quand même fallu qu'il aille sauter sur M. Philippe comme un abruti qu'il est. Oh, dites, mademoiselle, vous n'allez pas porter plainte. Je vous jure qu'il ne vous fera plus de mal, ni à vous ni à M. Philippe. Je lui réglerai plutôt son compte moi-même. Non, je ne dirai rien. Pleurez, mon petit. Pleurez.
Ça fait du bien. Il faut m'excuser, madame Vautrenal, si je suis venue chez vous si tard. Mais non. Et vous comprenez, je ne savais plus où aller. Je ne pouvais plus retourner chez les Filotos, ni à la Hortille après que Philippe m'ait tout avoué. Que vous a-t-il dit exactement? Il n'a pas nié qu'il était là le soir de l'accident. Et vous en avez déduit que c'était lui qui avait tué Mercedes? Mais c'est absurde, mais vous n'avez rien compris du tout. Ce n'est pas Philippe qui a tué Mercedes, c'est Juliette, sa mère. Comment sa mère? Je crois qu'il vaut mieux vous raconter les choses depuis le commencement. Voyez-vous, Mercedes, elle n'était pas... Oui, je sais, c'est moi qui ai trouvé dans ses affaires la photo que mademoiselle Filotto vous a rapportée. C'était vous? Oui. Et moi qui ai trouvé une manœuvre de la pauvre Alice. Et qui, pour lui faire peur, ait révélé à Manuel qu'elle était à la Hortille le soir de l'accident. Mais comment? Car cette mort a bien été un accident. Manuel Falcandel avait mis la main, probablement par l'intermédiaire de Francine et Bernard, sur une lettre de mon frère Hervé. Il est venu le faire chanter. Oh, mon Dieu. J'ai dit vertement à Hervé ce que je pensais de sa conduite, sans prendre garde que Juliette était dans la pièce à côté. Oh, Madame Galtier, ici, à oui, Chazay. Oui. Elle ne mettait plus les pieds à la Hortille, mais elle venait de temps en temps à Chazay, chez moi, pour passer une journée avec son fils. Philippe, ces jours-là, feignait d'aller à Bordeaux. Juliette a donc entendu mon algarade avec Hervé. Oui. Elle a couru à la Hortille. Elle a eu avec sa brune une explication violente. Elle l'a bousculée. Mercedes est tombée dans l'escalier de pierre. Nous avons mis en scène l'accident de la passerelle avec l'aide d'Hiberna. En ramenant Juliette chez moi, j'ai vu une ombre qui s'éloignait du parc. J'ai reconnu Alice Filotto. Oh, mais alors Manuel, quel rôle a-t-il joué dans tout ça? Manuel est assez intelligent pour n'avoir pas ajouté foi à la version officielle de l'accident, sans toutefois percer exactement la vérité. Quand il est revenu me trouver ces jours derniers, pour qu'il se tienne tranquille, je lui ai révélé que je savais qu'à Montauban, il trafiquait des voitures volées. Oui, j'ai là-bas un vieil ami qui m'avait renseigné. Quand j'ai cru que c'était lui qui vous avait attaqué, j'ai prévenu la gendarmerie pour Montauban. Il a été arrêté ce matin. Oh, je ne savais pas. J'ai hâte de savoir comment ma pauvre Juliette a subi toutes ces émotions. Mon téléphone est en dérangement depuis hier. Voulez-vous que nous fassions ensemble un saut à la Hortille? Oh oui, oh oui, madame, il faut que je parle à Philippe. Michel, ma mère est morte. Son cœur a lâché. Beauté des échelles, ce film radiophonique de Roger Richard, d'après un roman de René Lemaire, avait pour interprète Madeleine Barbulet, Lisette Lemaire, Hélène Dieudonné, André Tinsy, Pierre Olivier, Mon Corbier,
Pierre Constant, Marie-Jeanne Gardien, Charlotte Clasis et Charles Charras. L'anthologie du mystère vous était présentée par Pierre Billard.